comment ça va vous? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu là, on s'est pas vu depuis quand à peu près? L'année dernière? Ah ouais, ça re... Ok, on commence vraiment la vidéo avec une blague aussi pétée? Non mais voilà les petits potes, bonne année 2020, ça y est on est en 2020 bordel, on change de décennie. Les années 2010 c'est fini, à nous les années 2020. Ah oui mais attendez, mais c'est vrai que j'ai commencé la vidéo et tout normal, mais on en parle de ce décor, mais il est magnifique bordel, je suis trop fière. Déjà les lumières ça fait magnifique, ça rajoute de la couleur et tout. Et l'aquarium bordel de merde, l'aquarium il est trop beau, je suis trop contente, je suis trop fière. Par contre, si j'avais su que c'était aussi compliqué d'installer un aquarium chez soi, j'aurais juste mis un poster derrière, parce que bordel, oh. Et en plus, il y a plein d'autres trucs à prendre en compte, genre l'eau, faut la traiter et tout pour pouvoir mettre des poissons dedans. Parce que oui, je vais mettre des poissons dans l'aquarium. Au début, je voulais pas, tu vois. Mais je sais pas, en allant acheter l'aquarium, j'ai vu les poissons et tout. Je me suis dit, putain, je veux des poissons dans mon aquarium. Donc voilà, il y aura des poissons. Je vais me renseigner quels poissons prendre et tout. Je sais pas encore, on va bien voir. Bref, voilà, c'était une aparté sur mon décor parce que j'en suis fier. Du coup, je disais, ça y est, on arrive en 2020, les gars, on change de décennie. Et en ce moment, il y a une petite mode, comme on est en 2020, c'est de mettre des photos de soi 10 ans avant, donc en 2010, pour comparer 2010-2020. Tu vois, justement en voulant faire ce truc, j'ai cherché des photos de moi petit et je me suis dit, il y a trop de trucs à dire, il y a trop de trucs à dire, faut que je fasse une vidéo dessus. Du coup les gars, mon frère qu'on peut remercier évidemment, merci Kevin, t'es un boss, il m'a fait un dossier complet avec plein de photos de moi petit. On va y aller dans l'ordre chronologique les gars, on va commencer par les photos où je suis le plus petit. Et je crois qu'il n'y a pas de photo où je suis plus jeune que sur celle là Putain, c'est incroyable de vous montrer ça en fait. Là je suis en train de vous montrer ma gueule quand j'étais enfant. C'est vraiment ma tête quand j'étais enfant. Alors bien évidemment il y a des photos de moi où je suis encore plus petit, vraiment des photos où je suis bébé. Le truc c'est que je les ai que en version imprimée, tu vois, je les ai que en version papier, je les ai pas sur un PC. Mais si je vois que vous kiffez cette vidéo, que vous êtes beaucoup à vous abonner, que vous êtes beaucoup à mettre des pouces bleus, à commenter, le référencement, tout ça, je vous ferai très certainement un épisode 2. Enfin bref, du coup, on a la première photo, j'ai cette gueule-là, les gars, incroyable. Je sais pas quoi dire. Et en vrai, j'avais du flow, j'avais plus de flow que maintenant, gros. J'étais trop bégé avec ma petite casquette Cars, là. J'ai ça aussi. Les tatouages Malabar, on y est tous passés, hein. Quand on était petit, dès qu'on bouffait un malabar, gros, tout ce qu'on voulait c'était le tatouage, hein, c'était même pas le chewing-gum, hein. Eh, mais en plus, j'étais musclé, j'étais stock, cette musculature là, non mais vraiment. Et là, franchement, BG, je devais avoir quoi en vrai? Je devais avoir, là, je devais avoir 10 ans, 9 ans, je sais pas, j'arriverai pas à dire, mais je pense que ouais, j'avais 8, 9 ans quoi, un truc dans le genre, hein. Bref, on va passer à la photo suivante, vous êtes prêts? Oh, à la plage! Oh, yo, 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 j'étais en train de jouer avec mon ref! Eh, Timoud, si tu regardes cette vidéo, je suis désolé, hein, toi aussi, tu vas te faire afficher dans cette vidéo, hein. Bon, voilà, là, on est en train, voilà, là, c'est une photo classique quoi, on était à la plage, j'avais mon petit short de bain Spider-Man. Putain de merde, on con. Mais attends, mais gros, mais j'étais roux, mais what the fuck. Mais attends, mais ça me choque. Bon, bien évidemment la classique, quand tu vas à la plage t'es obligé de faire ça, tu t'enterres tout le temps, tu t'enterres avec ta tête qui dépasse, voilà. Bah oui, on est d'accord, tout le monde a déjà fait ça au moins une fois dans sa vie. Donc on continue, toujours des petites photos à la plage quoi. Oh là là, Esteban, Esteban il entre dans le game les gars, regardez ça. Honnêtement c'est notre trio de petits cons, hein. Moi, Timout, Esteban. Oh, les conneries qu'on a pu faire ensemble quand on était petits, même encore aujourd'hui, hein. Oula. Attends. Ah mais attends, mais je viens de comprendre la photo. Mais en fait là il y a Esteban et Timout, ils sont en train de déballer leurs cadeaux, tu vois, ça devait être leur anniv, un truc comme ça. Et moi j'étais là avec ma sucette en train de les regarder. J'avais le seum gros. Là j'avais le seum gros, j'étais en mode, oh mais attends, mais ils venaient d'avoir une DS en plus gros. Oh là là, oh ouais, mais là j'avais trop le seum. J'étais en mode, oh le bâtard, il a une DS. Attention, photo suivante. Oh là 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 là, oh j'avais eu ma DS. Gros, on dirait pas un bof au camping là? J'ai l'impression d'être un bof au camping, tu vois. J'étais là avec ma petite DS sur ma petite chaise pliante. D'ailleurs, dans à peu près toutes les photos, j'ai cette gueule-là, là. Mais c'est parce que je sais pas, moi j'ai un truc, mes yeux au soleil gros ils sont trop fragiles. Dès qu'il y a du soleil, faut que je plisse les yeux à mort, sinon je vois rien gros. Ok, on continue, photo suivante. Attends, mais c'est quoi cette pose? J'étais comme ça. Ah ouais, mais là on dirait vraiment un bof. Attends, mais qui se tient comme ça genre? Ah, tu vas faire une photo, vas-y, attends, je prends la pose. Putain, qu'est-ce que j'étais mignon avec mes dents pas droites là, bordel. Heureusement que j'ai eu un appareil dentaire en vrai, hein. Quand tu regardes l'état de mes dents, et encore là ça va, hein. J'ai eu une période, c'était encore pire gros, hein. Ah ouais, mais en fait j'étais tout le temps dans cette position là en fait. Quand j'étais petit gros, je marchais comme ça. Oh non. Là j'ai été pris en photo à mon insu là. J'étais en train de me frotter la dent en mode, ah putain, la pomme de ce midi elle est restée entre mes dents là. Non gros, t'as pas le droit. Oula. J'étais clairement en train de me noyer là. Je sais pas c'est qui m'a pris en photo, mais j'étais clairement en train de nager en mode, à l'aide, aide-moi gros, je vais me noyer. Et le mec qui a pris la photo il s'est dit, oh attends, on va faire une photo. J'étais en train de me noyer là, là faut venir m'aider, faut venir à ma rescousse s'il vous plaît.
Attends, what the fuck? Ah, c'est moi là avec les cailloux. Mais on m'explique qu'est-ce que j'étais en train de faire là? J'étais allongée sur des putains de cailloux. Mais pourquoi je fais ça? Après, voilà, quand on est petit, on a tout le temps des idées un petit peu farfelues, on comprend pas trop ce qu'on faisait quoi. Par exemple, cette photo, tu vois, là clairement, je sais pas ce que j'étais en train de faire. Hein. Oula! Oula! Attends, c'est quoi cette photo là? Mais attends, mais elle me met clairement une clope à la bouche. Non, faites pas ça, fumez pas les gars, c'est pas bien. J'ai 6 ans et demi là, j'ai pas une gueule à fumer, bordel. Ok, des photos de moi en maillot de bain, à force on a la. Ah! Je suis pas sûr, hein. Là je tente une hypothèse, hein. Mais je crois que j'avais froid. Eh hey, mais j'avais des abdos bordel de merde hein. Maintenant ici c'est du gras hein. Je veux récupérer ces abdos gros. Moi je m'inscris à la salle, c'est bon. Oh il y a une vidéo carrément. Oh j'ai envie de voir ça gros. Oh je sais c'est quoi. En gros si je dis pas de conneries, avant on avait une pocket bag, ça s'appelle, c'est une genre de mini moto tu vois. Et mes frères ils s'amusaient à faire ça et moi je voulais trop tester tu vois, sauf que j'avais 10 ans du coup ils étaient en mode non tu conduis pas ça, t'es un fou gros, tu conduis pas ça. Sauf qu'ils m'ont laissé conduire et justement j'espère qu'il y a la vidéo en entier parce qu'à la fin vraiment je me ramasse la gueule. Vous vous rendez compte la qualité de la vidéo là? Là c'était en 2002, c'est pas possible. C'est quoi cet appareil photo gros? Oh ça y est. Oh je démarre. Regardez, je suis sur ma mini moto. Quand je vous dis que les motos elles étaient vraiment minuscules gros, c'est qu'elles étaient vraiment minuscules hein. Oh là 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 là. Là j'étais trop content, là en vrai je vivais ma meilleure vie tu vois. J'étais en mode putain je conduis une moto pour la première fois et tout. Oh, ce motard d'exception. Ok, premier tour réussi. Le premier tour est réussi. Est-ce qu'il y a le deuxième tour? Ah non, après c'est plus moi. Oh, du coup, il n'y a pas la vidéo où je me pète la gueule. Mais après, j'ai fait un deuxième tour, les gars. J'ai tracé et je me suis viandé la gueule. Malheureusement, on n'a pas la vidéo. Je suis triste. Eh, mais attends, mais là, en fait, gros, on a plein de vidéos. C'est quoi ça? Oh, les souvenirs. Ah ouais, mais là, ça va parler à personne, là. Ça va parler à personne. En gros, chez mes parents, dans la cour, t'as deux grands arbres. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un espèce de parcours. On avait accroché des câbles aux branches des arbres, genre. Et on s'amusait à traverser avec les câbles. Regardez, j'étais en train de galérer ma mère, bordel. Oh, nos voix sont trop mimi. Je vous emmène au stade de foot et vous faites... En fait, on dirait. Au stade de foot, ouais, trop génial. On était si innocents, bordel. Ces vidéos, elles sont incroyables. Ok, on continue, les gars, sur les faux. Wow. Oh là là, j'étais en train de geeker. Oh oui. Ah, mais je sais pourquoi mon frère, il est là sur cette photo. Pourquoi mon frère, il est derrière moi sur cette photo? C'est très simple. En gros, avant, chez moi, on avait un PC, tu vois. Il y avait un PC fixe et c'était pour tout le monde. Sauf qu'à la maison, on était 10. Donc, je peux te dire qu'avec mes frères, mes soeurs et tout, c'était la galère pour pouvoir jouer au PC parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un dessus. Et du coup là j'étais en train de jouer au PC tu vois. Et là il y a mon frère, il était derrière en mode allez meurs comme ça c'est à moi de jouer tu vois. C'est ça, je suis sûr, on était en train de jouer à un jeu, on faisait chacun notre tour et il attendait juste que je crève pour pouvoir jouer ce bâtard. C'est quoi cette photo? Allez mais attends quoi? Quoi? Qu'est-ce que je fous dans un putain de tank? T'as un énorme tank et là t'as la tête d'un gosse de 6 piges qui dépasse gros. Qu'est-ce que je foutais dans un tank? Le gosse mignon mais un peu violent quand même. Suivant. Oui. Attends mais j'étais clairement en train de tirer la gueule là. Je suis comme ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on était en train de faire aujourd'hui, mais c'était clairement en train de me casser les couilles, hein. J'étais sûrement en train de me plaindre en mode oh, mais on veut pas visiter, c'est nul, moi je veux aller à la piscine, nanana. J'avais pas vu. Oh, la tête de Timout là avec ses lunettes de soleil trois fois trop grandes. La tête que ça lui fait, elle est incroyable. Non, pourquoi? Pourquoi on est obligé de m'afficher comme ça? Proba, je la mets en photo de profil. Je change ma photo de profil YouTube et je mets cette photo là. Non, je peux pas. Cette photo, j'ai envie de la mettre en photo de profil, mais en même temps, je me dis, tu vois, c'est chaud gros. Ma photo de profil YouTube, je l'ai jamais changée depuis au moins 2 ans. Ah, mais je sais, bah oui. Ok, les gars, je sais. Non, mais je sais, je vais vous mettre au défi. Si on atteint les 250 000 pouces bleus sur cette vidéo, ok, 250 000 pouces bleus sur cette vidéo, je change ma photo de profil YouTube et je mets cette tête. Photo de profil. D'accord, pendant une semaine, pas plus, parce que quand même faut pas déconner. Eh mais d'ailleurs, mais attendez, ah oui, mais attendez. D'ailleurs, je vous ai pas dit aussi, mais c'est vrai que je tourne cette vidéo, on est le 3 janvier 2020. Et en effet, vous êtes 3 millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube et on a passé les 3 millions avant 2020, ce qui me paraissait impossible à la base, sauf que vous avez réussi, vous avez tout cassé. Si on passe les 3 millions d'abonnés avant 2020, je dois me faire des locks. On a passé les 3 millions d'abonnés avant 2020, je vais me faire des locks, les gars, ça va arriver. Faut juste que je me renseigne comment faut faire et tout, parce que je me suis renseigné vite fait. Apparemment, les gars, faut que je me rase le crâne entièrement, donc chauve, pour mettre des extensions, pour mettre des locks. Enfin voilà, vous inquiétez pas, ça arrive, les gars. Encore merci pour les 3 millions, je vous aime. Bref, on continue. Ah, la classique. Ça, c'est la. Et encore, la vraie classique, c'est quoi?
c'est tout le monde a une photo comme ça de lui, je sais pas pourquoi, de vous petit dans votre bain, genre bébé dans votre bain. C'est sûr vous avez une photo comme ça de vous. Je sais pas pourquoi les parents quand ils mettent leur bébé dans le bain, ils prennent toujours une photo en mode dans le bain à poil. Vous avez tous une photo de vous tout nu dans le bain. Je le sais, c'est comme ça, tout le monde en a une. C'est la classique. Oh, encore une vidéo. Oh yes. Oh, je m'en rappelle. Déjà là, c'est un petit peu plus récent, tu vois, là il y a de la qualité à la vidéo. Il y avait énormément de neige et j'étais monté sur le toit d'une maison et du coup, je me suis dit "Eh, vas-y, je saute dans la neige, tu vois." Attention. Comment je me suis éclaté. Attends, je veux revoir le saut. Je me suis éclaté comme une merde. Je me suis enfoncé dans la neige, gros. Y'a plus que ma capuche qui dépasse, putain. Oh, après, y'a mon frère qui saute. Encore pire que moi, gros. Il a fait un saut de l'ange. Cette photo. Mais attendez, mais là, pour vous, cette photo, elle signifie rien. Genre, c'est juste moi qui prends la pose devant une maison. Mais cette maison, gros. En gros, cette maison, je vous explique, les gars. Moi, j'ai pas habité dedans, j'étais pas encore né. Mais mes parents, ils ont habité dans cette maison. Sauf que, il se passait des trucs pas nets dans la maison. Je sais que ça paraît assez incroyable ce que je vous dis. Mais vraiment, genre, mes parents ont vécu. Enfin, à ce qu'ils m'ont dit, hein. Moi, j'étais pas encore né, les gars. Donc, je peux pas confirmer, je peux pas vous jurer. Mais si mes parents me l'ont dit à moi, ils l'ont dit à mes frères, ils l'ont dit à tout le monde. Tout le monde dans ma famille est au courant de cette histoire. Tu vois ce que je veux dire? En gros, apparemment, dans cette maison, genre vraiment, il leur est arrivé des expériences paranormales. Et je vous ferai sûrement une vidéo où j'essaye de vous raconter les trucs qui leur arrivaient et tout. Genre c'était dans cette maison et on était repassé devant en partant en vacances et du coup j'avais fait une photo devant en mode de... Eh, je suis devant une maison hantée. C'est quoi cette photo là? On coupe la vidéo, on arrête tout. J'étais content en plus. Oh non. Incroyable! Photo de la Paris Games Week. C'était ma première Paris Games Week, les gars. Et là, j'avais genre 5000 abonnés sur YouTube, tu vois. Personne me connaissait et tout. J'avais fait une photo avec Aikilio, bordel. Ah ouais. Ah, oh, avec Tartinex. Mais non, avec Tartinex. J'avais fait une photo avec Le Bouzeux aussi. Le Bouzeux, je m'en rappelle, mais Aikilio, Tartinex, je m'en rappelais même plus. Votre... Mais mec, je savais même plus. Incroyable, gros. J'avais fait des photos avec Tartinex, Vodka et Aikiliou. Et en mode abonné, tu vois. Genre, je l'avais croisé. J'étais en mode, on peut faire une photo et tout, tu vois. Ok, après, les gars, là, il reste des photos où je suis un petit peu plus grand. Donc, c'est pas forcément hyper intéressant. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Comme je vous ai dit, vraiment, je vais essayer de retrouver un maximum de photos de quand j'étais encore plus petit, genre de 0 à 9 ans, tu vois ce que je veux dire. Pour faire un deuxième épisode dessus, parce que c'est trop bien. Mec, moi, ça me rappelle tellement de souvenirs. Et c'est trop kiffant, même pour vous. Je suis sûr que vous kiffez voir ma tête avant genre. Bah voilà les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez kiffé. Vous dites tout simplement ce que vous avez pensé de la vidéo. Voilà. Moi je vous fais des gros bisous. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ciao ciao les potes.